Congo, Mbokanangai. Congo, le Kabonanzambe, pour le Bikou et le Botanangai. Et les Maongina. Héritage nabiso et comico bepa mongo ya papaya et kaboli biso to comico luta motona moto intere naie to kanisa et si kato outi beto ta l'avenir yabana congo. Et des cailles de pangolins, résultat de la sale besogne de braconnage. Ainsi, pour permettre un déplacement ordonné de l'équipe qui accompagnera le chef de l'État dans son parcours si haut tracé, à partir de la tribune et de l'écran, j'ai imposté pour la circonstance. Après la mise à feu du dernier brasier, le chef de l'État retournera dans la tribune pour suivre le procès verbal de constat, puis le protocole invitera l'assistance au cocktail. Bolingo, Congo, Yakato, Sangana, Sangisa, Banana, Yo, Bara, Congo, Yato, Sangana, Sangana, Totonga, Moka, Nabolingo, Pena, Bongo, Ya.
Congo ya kongala, Africa mobima, bakobona. Ayi Congo, Congo, mboka na biso. Congo, totonga e. Boya ninde totonga. Monsieur le Président de la République. Directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN ainsi, et l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa. À l'issue de ces mots, dans la nature d'un échantillon de perroquets gris, ensuite à la mise en feu des stocks d'ivoire et des cailles de pangolins. À présent, Bosana, bosana, ma beyo soto salanaki Maluka talangai, ma pena talayo Antosengana bo... Nous sommes aujourd'hui honorés, Excellence Monsieur le Président de la République, par votre présence pour présider la cérémonie de la charge dans la nature d'un échantillon de perroquets gris, de la mise en feu des ivoires et des écailles de pangolins qui se déroule ici au parc présidentiel de Lancélé sous gestion ICCN. Nous voulons, Excellence, permettez de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue dans ce cadre du parc de Lancélé. Excellence, Monsieur le Président, nous ne saurons poursuivre notre adresse sans vous remercier de tout cœur pour avoir voulu respecter la loi fondamentale de la République démocratique du Congo en renonçant à briguer un autre mandat afin de donner à notre cher et beau pays la chance de vivre pour la première fois une alternance démocratique au sommet de l'État, ce qui reste à jamais gravé sur le roc de l'histoire congolaise. Nous voulons en ce jour vous féliciter également pour avoir accepté de rehausser à titre personnel de votre présence la présente cérémonie en dépit de vos multiples occupations alors que vous veniez de rentrer hier seulement de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Cela témoigne à suffisance votre réel attachement aux valeurs écologiques pour la survie des générations présentes et futures. Cet attachement s'illustre par plusieurs autres actions qui parle sans faire beaucoup de bruit, peut-être méconnu par plusieurs personnes, mais nous nous permettons en ces jours d'en citer juste quelques-unes. La création du parc de la vallée de Lancélé à Kingakati, non loin d'ici où nous nous trouvons présentement. La création d'une autre aire protégée à Kashamata, située
à Lubumbashi et d'une troisième aire protégée au niveau du plateau de Kundelungu dans la province d'Haut-Katanga, sans oublier cette aire protégée qui est à Mateba dans la ville de Boma, province du Congo central. Nous ne pouvons pas, Excellence, nous taire devant une autre bonne nouvelle dans la conservation de la nature en République démocratique du Congo, que d'aucuns auraient appris à travers le média ou les réseaux sociaux, selon laquelle le président de la République a facilité et contribué à la réintroduction des 27 rhinocéros blancs du Sud, dont 18 au parc de la vallée de l'Ancelé et 9 à la réserve de Kashamata dans la ville de Lubumbashi. Notre pays, la République démocratique du Congo, était en train d'être rayé de la liste de pays de l'heure de répartition des rhinocéros blancs. Nous voulons, Excellence, Monsieur le Président, en ces instants où nous nous trouvons dans ce parc et avec toute la population congolaise, désormais, vous souhaiter et vous dire que nous avons le réel sentiment de reconnaissance pour avoir encore redonné la chance à notre pays de pouvoir héberger sur son sol cette espèce emblématique qui sont le rhinocéros blanc du Nord. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de l'application de la loi et pour faire face à la recrudescence de la criminalité faunique qui représente non seulement une véritable menace sur la biodiversité, mais aussi la sécurité de la population, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a coordonné et réalisé plusieurs saisies entre les mains de braconniers et trafiquants illégaux des quantités d'ivoire, d'écailles de pangolins et de perroquets gris. Ces saisies ont été rendues possibles grâce à l'implication très appréciable de services spécialisés de la Direction générale de douanes et assises, de l'Office congolais de contrôle, de la Direction générale de migration, de la Régie des voies aériennes et de l'Agence nationale de renseignement. Avec l'appui, bien sûr, de l'officier du ministère public, sans oublier d'autres services impliqués dans la task force contre le trafic illicite des espèces sauvages dans notre pays. À tous ces partenaires, nous tenons très sincèrement à leur adresser nos très sincères félicitations et leur remercier de tout cœur pour la vigilance et la prouesse dont ils ont fait montre. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, le geste que vous allez poser tout à l'heure va une fois de plus s'inscrire dans l'histoire de la conservation de la nature de notre pays et dans les annales de l'humanité. Ce geste provient de votre propre initiative. C'est votre amour, c'est votre détermination à préserver notre nature, nos espèces et notre biodiversité. Le lâchage d'un échantillon des 5 perroquets gris, la mise en feu d'une tonne et 50 grammes d'ivoire brut et taillé, ainsi que d'une tonne et 197 grammes, kilogrammes d'écailles de pangolins géants issus du braconnage et du commerce illicite, permettra à ce jour de passer et de donner un message tant à l'opinion nationale qu'internationale. Au travers de cet acte, en ce jour, vous donnez le message que nous tenons à citer en ces lieux. Un, vous réaffirmez par un signal fort la volonté politique au plus haut niveau de l'État
à lutter contre la criminalité environnementale en général, celle faunique et forestière en particulier. Et cela traduit ainsi le respect des engagements souscrits au terme de la Convention sur l'extinction de commerce des espèces en voie de disparition. Vous ordonnez à cet effet, par ce geste, la tolérance zéro au niveau national contre le braconnage et le trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvage, en commençant par affirmer la valeur zéro ou la valeur nulle des livoires, des perroquets gris à queue rouge ou les Ptacus erectus prélevés dans la nature et des écailles de pangolins. Vous montrez également la détermination de la République démocratique du Congo à fermer définitivement le marché de l'ivoire sous forme brute et transformée, le marché de la viande de brousse chassée illégalement sur notre territoire et à retirer par là la réserve sur le transfert de perroquets gris de l'annexe 2 à l'annexe 1 de la Convention CITES émis lors de la 17e conférence de parties de la Convention à Johannesburg. Car cette réserve pour la vente de perroquets coûte que coûte, sans passer par les inventeurs de leur population, devient inutile et dangereuse pour le pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, préserver notre nature, c'est protéger l'espèce humaine. Je vous remercie. En prenant la parole ici, je crois parler également au nom de mes collègues, les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, comme d'autres ambassadeurs et diplomates, et je salue leur présence ici nombreuse. Leur présence traduit l'appui de la communauté internationale pour cet engagement important de la République démocratique du Congo de redoubler les efforts pour mettre fin au braconnage et au trafic international d'espèces emblématiques d'Afrique telles l'éléphant, le pangolin ou le perroquet. Excellences, Monsieur le Président, l'acte que vous allez poser en procédant à la libération des perroquets, la destruction des ivoires et des écailles de pangolins, c'est plus qu'un symbole. Ce geste constitue un signal fort et extrêmement important. Ces marchandises obtenues de façon criminelle et illégale n'ont en fait aucune valeur marchande. Par contre, la biodiversité de la RDC, ces espèces souvent uniques au monde dans la forêt équatoriale, un des poumons majeurs de notre planète, ont bien une valeur unique. Je salue l'action de la RDC, de votre gouvernement et particulièrement de l'ICCN pour contrer ces actes criminels, jour après jour, partout en République démocratique du Congo. Permettez-moi aussi de rendre hommage aux éco-gardes congolais, qui sont les acteurs majeurs de mesures anti-braconnage en RDC. Ce sont des femmes et des hommes qui, au risque de leur vie, pour maintenir le respect du droit et conserver un capital naturel important de la RDC, et finalement un capital de toute l'humanité, se battent jour après jour. Certains parmi eux sont ici, et par leur directeur général, le pasteur Cosma, je les salue, et mes pensées sont avec tous ceux qui ont perdu la vie dans le cadre du maintien de l'ordre et la protection de la biodiversité. Je crois qu'il faut les saluer, je crois qu'il faut les applaudir. La RDC ne peut mener seule cette bataille, et l'Union européenne a lancé déjà en 2016 un plan d'action contre le trafic d'espèces sauvages. Avec nos partenaires internationaux représentés ici, y compris la RDC, l'Union européenne et ses États membres se mobilisent pour enrayer le déclin des espèces sauvages causées par le braconnage et le trafic.
trafic que nous devons arrêter aussi dans nos pays, y compris dans l'Union européenne. Collectivement, la RDC et ses partenaires internationaux, nous devons prévenir le trafic, le braconnage, en luttant aussi contre les causes profondes. Ensemble, nous devons lutter contre la criminalité environnementale de manière plus efficace, aussi bien dans les pays d'origine tels la RDC, dans les pays de transit et finalement dans les pays de destination. En RDC, l'Union européenne a engagé des fonds considérables depuis plusieurs décennies du Fonds européen de développement dans l'appui en ce moment de 7 aires protégées. Ce sont des noms qui sont bien connus, Garamba, Virunga, Salonga, Upemba, Yangambi, Biliwere et maintenant aussi la réserve de faune Okapi. Je salue particulièrement notre partenaire congolais, l'ICCN. C'est l'acteur central dans quasiment toutes ces aires naturelles. Je salue particulièrement le choix stratégique de l'ICCN de chercher des partenariats publics-privés qui ont permis d'apporter un savoir-faire international, de mettre à disposition des moyens logistiques, d'introduire des technologies renforcées, d'optimaliser la gestion du renseignement et de mieux former et équiper les personnels. Les résultats en matière de lutte anti-braconnage sont bien là. Récemment encore, nous avons appris l'augmentation au-delà de 500 du nombre de gorilles de montagne qui se trouvent actuellement dans le Virunga. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de conclure mon propos sur un élément qui me tient particulièrement à cœur et qui est crucial pour la conservation de la biodiversité. Si nous obtenons aujourd'hui des résultats, c'est grâce à l'adhésion des Congolais et particulièrement les populations riveraines des aires protégées. Dans notre partenariat avec l'ICCN, au moins la moitié de nos efforts vont vers des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie et réduire la pauvreté des communautés locales. Ce sont des actions pour améliorer l'agriculture, restaurer la sécurité alimentaire, fournir une énergie durable et socialement abordable aux populations et finalement développer aussi le tourisme. C'est un autre choix stratégique de notre partenaire congolais que l'Union européenne appuie complètement. Ce sont des mesures qui vont dynamiser et qui dynamisent déjà en ce moment l'économie et qui créent les emplois dont les jeunes Congolais ont tellement envie, ont tellement besoin. À terme, cela permettra de démontrer combien sont dérisoires les gains du braconnage et cela contribuera aussi à rétablir la paix et la stabilité dans des contrées de ce beau pays qui sont aujourd'hui malheureusement encore la proie de groupes armés. Ce modèle congolais qui lie biodiversité, développement durable et sécurité est considéré par mes autorités à Bruxelles comme une référence internationale. C'est un terrain où la RDC fait école. Votre Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je conclus en vous remerciant de l'acte fort qui sera posé dans quelques instants et je vous remercie aussi d'y avoir impliqué l'Union européenne et finalement toute la communauté internationale réunie ici au parc de la NCLE. Il n'y a dans mon esprit aucun doute, en agissant ensemble, nous sommes plus forts. Mais je me dois vraiment de conclure mes propos parce que les images que nous verrons dans quelques instants sont plus éloquentes que les mots. Les actes, finalement, pèsent plus que les mots. Je vous remercie de votre attention. Ça c'est mon corps,
Congo yo etelema eh Congo yo Congo yo Congo oh Congo 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 songa bolingo oka ya bibale pe mazamba oh Congo yo Congo oka na biso moko songa e songa bolingo Sengwe libota oyo yawe azali nzambe yawazeli bolingo Kongo yakato sangana sangisa bana nayo bana Kongo bana Kongo oyo to sangana sangana to mambo Kongo ndemboka ndeta ngoma kengeli ndeta ngoma kengeli Nicolo to se para que la mosolo ya bomba congo e poki to kongwa ni misolelo moya makaku ni Mondo nyo sala tamana Mungo ya mosolo Présent, monsieur, on pense le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. On cite CITES, on gissa en qualité d'officier de police et judice et 83 de la loi numéro 14 au parc présidentiel de l'Ancelé. Assistons ces jours à la cérémonie CITACUS et RITACUS. Et à la mise en fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de 1,197 kg de taille. C'est un grand événement, ça consiste au lâchage d'un échantillon de 5 perroquets gris, à la mise en feu de 1050 kg d'ivoire et de 1197 de cailles de pangolais, ici des braconnages. Mise en feu par qui ? Par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État lui-même. C'est ça l'essence de la cérémonie. Le message que nous lançons à toute la population, c'est que le Président de la République a ordonné la tolérance zéro contre les braconnages, contre les trafics illicites des espèces sauvages en général, particulièrement des perroquets gris. Il a ordonné qu'il n'y a plus, le perroquet gris ne peut plus être commercialisé. Donc il n'y a plus de réserves valables concernant le perroquet gris. Et il a le message fort également, c'est qu'il n'y a plus de commerce illégal d'ivoire. Même taillé, pas même des petits morceaux d'ivoire.
il est strictement interdit. Il n'y a plus de commerce illégal de cailles de pangolins, de paille de pangolins sur le territoire national. La question des stocks sera gérée parce qu'il y a des cas particuliers que nous connaissons, que nous sommes en train de suivre. Là parce que le président de la République est venu lui-même faire le lynchage des perroquets dans la nature ainsi que mettre le feu, faire la mise au feu des kilos des ivoires et des écailles de pangolins. Je m'appelle Richard Achinda Wilungula. En tout cas, fort ravi, des impressions hautement positives. Vous savez, des occasions comme ça sont rares. Et je commence d'abord par féliciter mon frère, mon collègue, mon homonyme, le DG de l'ICCN, Cosma Wilungula, pasteur, par cet exploit. C'est un vrai patriote et ça se voit. Et le chef de l'État ne s'y est pas trompé. Vous savez que son Excellence, Joseph Kabila Kabange, président de la République, revenu d'un long voyage, n'a pas tenu compte de sa fatigue. Il a voulu honorer un digne fils, le DG de l'ICCN, par cette activité de séjour. Et vous avez vu que tous les sommets, toutes les hautes personnalités de la République y étaient. C'est un signal fort pour le travail qu'il est en train de faire, de préserver les espèces rares et de protéger la nature, gage du futur pour la République démocratique du Congo. Vous savez que le RENATELSAT est l'organe public du gouvernement. C'est l'unique opérateur satellitaire congolais. En même temps, c'est le diffuseur public congolais. Et donc, il est en charge d'implanter les réseaux TNT, télévision numérique terrestre, qui doit diffuser toutes les chaînes, y compris même la vôtre. Et donc, vous voyez que le RENATELSAT est au cœur même de cette action par ma présence ici. Vous savez, le chef de l'État vient de poser un acte très important. En droit, nous savons que le braconnage est interdit. C'est sur base aussi de règles internationales. Mais par son acte, solennellement, le chef de l'État vient de confirmer que l'ivoire, l'écaille des pangolins, les perroquets n'ont aucune valeur marchande parce que ce sont des espèces qui sont cueillies d'une manière complètement illégale et donc on ne peut vendre ces produits, c'est illégal. Et donc pour cette raison, je crois que la confirmation au plus haut niveau de l'État que ces produits sont illégaux est un acte très important et très visible que nous apprécions comme communauté internationale énormément. Soyons clairs, ceci est une décision souveraine de la RDC. Là où nous pouvons appuyer, c'est dans le maintien et c'est dans la remise à niveau de la protection des parcs. Et donc l'Union européenne est partenaire dans cette aire naturelle du Congo parmi les plus connues, Virunga, Salonga, Garamba. Ce sont des noms qui internationalement sont très connus. Et nous aidons les éco-gardes à mieux s'organiser, à être mieux entraînés, à être mieux équipés. Et puis nous aidons aussi les populations riveraines pour qu'elles puissent se développer, pour que les jeunes puissent trouver des jobs. Et finalement, quand les gens ont un métier, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire du braconnage? Il vaut beaucoup mieux être dans l'économie légale.
kobona ai mboka na biso totonga boya ninde totonga mboka kongo kongo nda ya nzambe apesa bakongole mboka bakongo bozu bozu bontaka. Oublions nos intérêts égoïstes qui ne nous ont fait qu'appauvrir.